Le compactage vertical à chaud, le système B et le thermocompactage sont trois techniques d'obturation tridimensionnelle étanche du système canalaire. Elles sont les dernières étapes du traitement endodontique, suivies impérativement et rapidement de l'obturation définitive de la cavité d'accès coronaire. Leur objectif est de remplir le réseau canalaire, préalablement mis en forme grâce aux procédures mécaniques, puis nettoyé et désinfecté par les irrigants chimiques. Leur but est également de sceller le plus hermétiquement possible le système endocanalaire afin de limiter toute communication avec le parodonte et la cavité buccale. L'obturation canalaire est réalisée lorsque la mise en forme canalaire a été correctement effectuée, lorsque le canal est sec et enfin, lorsque la dent est asymptomatique. Les techniques d'obturation permettant une obturation tridimensionnelle, stable et étanche sont basées sur une compaction de gutta-percha associée à une quantité minime de ciment de scellement canalaire. La technique d'obturation endocanalaire à l'aide de gutta-percha plastifié à chaud et compacté verticalement permet une obturation tridimensionnelle du réseau canalaire étanche, et ce particulièrement dans le cadre d'anatomie complexe, lors de canaux ovalaires ou lors de résorption interne. Ces techniques nécessitent l'utilisation de cônes de gutta non calibrés que l'on adapte à la conicité du dernier instrument du système nickel-titane utilisé lors de la mise en forme canalaire. Ces techniques nécessitent l'utilisation de cônes de gutta non calibrés que l'on adapte à la conicité du dernier instrument du système nickel-titane utilisé lors de la mise en forme canalaire.